Aude, vous avez signé avant-hier, pour ceux qui lisent le Huffington Post, de Arianna Huffington, une tribune intitulée « Certains disent « barrez-vous », moi je dis « battez-vous », outre que vous avez un excellent sens de la formule et qu'on en reparlera dans quelques instants avec Virginie Calmels. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Eh bien, ce que je veux dire, c'est que vous êtes au courant de cette tribune, de ces jeunes qui ont écrit un éditorial sur « Jeunes, barrez-vous ». Quitter la France. Ce quitter la France m'a révoltée. Et non seulement ils ont fait cette tribune, mais à la suite de la tribune, ils ont écrit un livre, ils en ont fait des soirées, et ils en ont fait une sorte d'outil de communication. Et je pense que c'est plus un outil de communication pour eux et les personnes qu'ils représentent, et pas pour la France. En tout cas, je l'espère. À la suite de ça, et je ne pouvais pas rester comme ça, indifférente à ça, et donc j'ai effectivement écrit cette tribune qui est sortie dans le œuf et que je vais vous lire, et que j'ai intitulée « Certains disent « barrez-vous » et moi je dis « battez-vous ». Face à la situation plus que critique que nous vivons aujourd'hui en France, certains conseillent de partir. Ils me font l'effet de déserteur. Au lieu de fuir, nous devons unir nos forces. Dans notre intérêt individuel et collectif, nous devons retrouver du courage pour affronter ensemble les éléments. Ce n'est pas facile, je sais. Catégorie après catégorie, les Français s'insurgent contre les décisions politiques, les taxes supplémentaires. Le climat est délétère, notre morale plutôt bas et la tension à son comble. Résultat, le Front National gonfle le torse. On se dit qu'on n'est pas loin de l'atmosphère qui devait régner à la fin des années 30, et cela me fait peur. C'est pourquoi il nous faut sortir d'urgence de ce cercle vicieux qui nous accable et nous fait encore plus plonger. J'en appelle à un sursaut national. C'est tous ensemble que nous devons combattre le mal qui nous gangrène, cet abattement généralisé, cette perte de confiance en nous et en notre avenir. Standard & Poor's vient de rétrograder la note de la France, non pas sur des critères économiques, mais sur le climat qui prévaut chez nous. Tous, nous semblons oublier que la France est la cinquième puissance mondiale, malgré sa toute petite taille. Nous sommes porteurs du génie français. Laissons-le éclore de nouveau. Jouons collectif, jouons national, au lieu de nous replier sur nos carrés petits et mesquins. Cessons d'attendre que l'impulsion vienne d'en haut du gouvernement de l'Europe ou d'ailleurs. Nous avons chacun, chacune, une responsabilité, celle de contribuer à notre niveau, selon nos moyens, à la croissance, au mieux-être général, au bien-vivre ensemble. Que chacun se demande, et moi, que puis-je faire pour sortir de ce marasme ? Une nation est constituée de l'ensemble de ses habitants, comme un corps de cellules qui vivent indépendamment, mais qui ensemble forment chair. Je suis une cellule, vous êtes une cellule de la France. Vibrons ensemble pour refaire circuler une énergie positive en France. Battons-nous et osons la France. Merci Aude de nous rappeler effectivement qu'on est la cinquième puissance mondiale, ce qui n'est pas si mal avec moins d'1% de la population mondiale. Et puis effectivement, il y a des chiffres et des études qui en général sont peu relayées par mes collègues journalistes. Alors après, on pourrait faire un grand débat sur le Impact Media Day, mais c'est pas le but de la journée. Mais c'est vrai que nous, on a fait un partenariat avec une newsletter qui s'appelle Time to Sign Off. Et toutes les semaines, on vous envoyait des signaux positifs qui sont en général très peu relayés dans les médias, et qui pourtant prouve que notre économie ne va pas si mal. Je vous propose d'en passer en revue quelques-uns, histoire de se donner une espèce de petite piqûre de vitamine pour la journée. Clin d'œil à mon ami de vitamine T. Aude, par exemple, est-ce qu'en France, est-ce qu'on a un middle stand ou pas ? Ah oui, absolument. En 2012, le chiffre d'affaires moyen des ETM a progressé de 1,7%, les effectifs de 0,6%, et elles détiennent 35% des brevets français. Ah, alors... C'est un autre chiffre qui s'affiche derrière vous. Donc vous avez le 07 85 21 24 58. Enfin, vous savez lire. Enfin, j'espère. Qui vous indique que si vous voulez envoyer des questions par SMS au speaker tout au long de la journée, innovation technologique oblige, vous pouvez le faire. Et donc, elles nous arriveront comme ça sur les écrans. Vive le progrès. Aude,
Autre poncif généralement relayé par les médias, c'est qu'en gros, le CAC 40 fait des profits à l'étranger, délocalise à tout va et qu'il ne reste plus un seul emploi en France. Est-ce que le CAC 40 emploie encore des personnes en France ? Oui, le CAC 40 aujourd'hui, et c'est toujours bon de le rappeler, emploie 1,4 million de personnes en France et 31% de leurs collaborateurs mondiaux. Troisième poncif, l'ensemble des nouvelles start-up qui éclosent dans le monde sont toujours soit aux États-Unis, soit du côté des pays asiatiques qu'on connaît mal. Et on pense toujours qu'il n'y a pas de jeunes start-upers français. Il y a deux start-up françaises qui viennent de remporter le prix de la meilleure start-up au monde décerné par Stanford. Alors, on dit souvent que la France est un pays muséal et que nous avons une culture qui est morte, mais au contraire, on voit que la culture se porte plutôt pas mal et qu'elle est même plutôt profitable pour notre économie, non ? Oui, c'est tellement bien de sortir de ces poncifs, puisque le secteur de la culture génère en France 1 200 000 emplois et une balance commerciale excédentaire de 300 millions d'euros. La France accueille Universal, qui est la première entreprise de production musicale, achète le deuxième groupe mondial d'édition, Ubisoft, le troisième éditeur de jeux vidéo, et elle est également, la France est le troisième producteur mondial de cinéma. Il y a un grand prix qui, je crois, est remis chaque année au Sénat de jeunes entrepreneurs de banlieue, et ça s'intitule « Nos quartiers ont du talent ». Alors c'est bien, mais évidemment, ce n'est pas uniquement des quartiers qui vont réussir à sauver le pays, ce serait bien si nos régions avaient du talent. Comme en France, on est très centralisé, très jacobin, on pense toujours que tout se passe à Paris. La journée d'aujourd'hui est la preuve que non, mais est-ce que nos régions ont du talent, Aude ? Oui, et c'est intéressant d'ailleurs de ressortir cet élément, puisque je regardais hier soir Montebourg sur la 2, et qui donnait cet élément. Il ne faut pas vous infliger ça, Aude. Je ne me suis pas infligée, bon. J'ai regardé 5 minutes, et c'était très intéressant d'entendre. D'entendre ceux qui voulaient débattre avec lui et la façon dont il menait le débat. Et là, c'était là aussi un problème de communication. Alors, ce qu'il disait d'intéressant, c'était que le coût horaire dans les régions françaises n'est finalement pas plus cher que dans les Landes allemands. Et ça, c'était intéressant de le savoir. Et c'est toujours intéressant de dire les choses et la réalité des choses. C'en est une, Montebourg l'a redit hier soir, et nous avons effectivement toutes les études qui le montrent. Donc il faut toujours dire les choses comme elles se passent et non pas comme on le dit souvent. Alors, on pourrait passer la journée à relayer cette journée positive, mais on a des intervenants éminemment prestigieux et très sympas, avec des tas de choses à dire, qui sont venus un peu de partout en France. Donc, mais peut-être quand même juste une dernière. On s'en sortira évidemment que si nous sommes innovants. Et est-ce que la France, avec son pourcent de la population mondiale, arrive à se hisser, mettons, allez, je vais être un peu dingue, sur le podium de l'innovation mondiale ? Sur les 100 entreprises et centres de recherche les plus innovants au monde, il y a 12 entreprises françaises. Essentiel de le savoir, sur les 100 entreprises mondiales, 12 sont françaises. Voilà, vous aurez des nouvelles comme ça un petit peu toute la journée. On pourrait vous parler du taux de natalité, on pourrait vous parler de tout ça, nous avons tous les chiffres et nous pouvons évidemment vous les communiquer, nous les communiquons d'ailleurs dans cette lettre effectivement TTSO, Time to Sign Off, que nous diffusons toutes les semaines. Et voilà, moi je voulais, avant de commencer cette journée, remercier l'île où nous sommes aujourd'hui et remercier Madame le maire, Martine Aubry et Pierre de Saint-Ignon, et particulièrement, et ça va vous faire rire, pour cette situation paradoxale qui est la nôtre, c'est que nous sommes invités aujourd'hui ici à Euratechnologie gratuitement par la mairie et la région, alors que les politiques sont interdites de parole dans nos forums. Et donc, vous voyez toute la... Voilà, c'est un clin d'œil, c'est un paradoxe, mais ils jouent le jeu. Ils ont compris que quand il y avait un forum qui s'appelait Osons la France, ils n'étaient pas là, eux, pour prendre la parole, c'était à nous, société civile, de la prendre. C'est notre objectif, c'est ce que nous faisons depuis 2 ans maintenant. Et néanmoins, nous sommes accueillis par les mairies et par les régions. C'est la même chose à Lyon, c'est la même chose dans d'autres régions. Et donc, je voulais les remercier infiniment. Et remercier les équipes également de Euratechnologie, et en particulier son patron, qui, je ne sais pas s'il est là maintenant, Raouti Chehi. Vous êtes là, Raouti ? Non, il n'est pas là, on le verra dans la journée. Et les équipes et les étudiants d'ESPOL qui aussi nous donnent un coup de main toute la journée pour gérer cette journée, pour vous gérer. Et puis évidemment des partenaires, parce que comme nous sommes une société privée, il nous faut un peu d'argent pour faire ce forum. Et nous avons comme partenaire la Société Générale, que je voulais remercier, L'Oréal, qui soutient, avec qui nous avons créé un prix de la croissance responsable, Orange,
grâce à qui d'ailleurs nous arrivons à donner toutes ces nouvelles au quotidien par la lettre TTSO. Évidemment, Accor, et je sais qu'ils sont représentés ici. Nous avons également Camerus, qui est un de nos partenaires, les Champagnes de Vranken, parce que ce soir on va boire. Ce matin, j'ai vu certains qui étaient au jeu de fruits, c'est une plaisanterie. L'agence BETC, qui nous soutient, Mazars, et Auguste et Debouzy, voilà. Et nos partenaires presse qui sont Widowbees et BFM Business. Donc je voulais les remercier et vraiment voilà, vous dire que nous sommes ici grâce à la mairie et qu'il est possible qu'on les voit dans la journée. L'année dernière, Martine Aubry était passée nous dire bonjour, elle n'était pas rentrée dans la salle. Et à un moment, il faut savoir... féliciter parce qu'ils savent également comprendre et surtout nous laisser agir, nous, société civile, parce qu'ils savent que c'est ensemble que nous pouvons réussir. C'est même le seul moyen, je crois, aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et Vincent, vous allez appeler Virginie à nous rejoindre. Non, d'abord, on va regarder un petit film, mais je crois que vous vouliez faire un teaser parce que là, vous allez écouter une trentaine de speakers différents, mais vous allez revenir ce soir. Vous voulez que j'en parle maintenant? Bah, si vous voulez, parce qu'on a un certain nombre de speakers qu'on va impliquer dès l'an prochain, donc ce serait aussi bien qu'ils le sachent maintenant. Alors, un petit mot, effectivement, je vais faire notre pub. J'ai créé ces forums Osons la France il y a 2 ans, nous en sommes au 5e aujourd'hui. Et nous étions les premiers à l'époque à oser appeler ça Osons la France. Les gens nous ont pris tous pour des fous, c'est comme lorsque j'ai créé le Women's Forum en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc de nana ?» C'est devenu le premier forum mondial de femmes. Et Osons la France a été repris par beaucoup de gens en France, dans beaucoup de régions, et le mot oser a finalement été récupéré. Et on s'est rendu compte que c'était assez difficile de se battre contre certains éléments que nous trouvions difficiles, et se contenter de faire un forum, finalement, il fallait en sortir, vous savez, toujours être au-dessus, et quand d'autres arrivaient, ben, finalement, ça nous challengeait. Et donc, on a eu une idée folle. Un entrepreneur, c'est fou. Beaucoup d'entre vous sont entrepreneurs, donc vous savez ce que c'est qu'être entrepreneur. Et donc, j'ai pris la décision de faire évoluer les forums Osons la France vers une exposition qui va s'appeler Exposons la France et qui va avoir lieu au Grand Palais l'année prochaine. Donc, j'ai réservé le Grand Palais du 3 au 7 décembre 2014. Et le thème, le titre même, ça va être Exposons la France de demain. Et nous allons dire aux Français... Venez donc marcher sur votre économie, venez rencontrer ceux qui font la France, venez toucher votre économie et venez voir les emplois que nous sommes en train de préparer pour demain. Parce qu'il faut peut-être à un moment qu'on arrête de former 3 000 ostéopathes par an alors qu'il y a 700 postes en France et tout est comme ça, et qu'on amène les gens, nous, société civile, une fois de plus, à montrer ce que la France est en train de préparer dans les emplois de demain. Et qu'on arrête des filières et qu'on arrête tout ce délire depuis des années qui nous conduit à la situation dans laquelle nous sommes. Donc nous avons pensé qu'après avoir fait ces 5 forums Osons la France, il fallait aller plus loin. Et puis face aussi à cette récupération, vous savez, cette compétition et tout ça, c'était bien de passer une étape au-dessus. Donc voilà, je vous annonce que ce salon exposition aura lieu avec la France en 3D. On va venir marcher sur cette économie française, la toucher, regarder que la Bretagne ne produit pas seulement du low cost, ce qui était, voilà, mais aussi beaucoup de sociétés de numérique, beaucoup de sociétés autour de la mer et des enjeux maritimes qui sont les nôtres. Et c'est tout ça, on va faire une projection dans les 20 années qui viennent. Et donc voilà l'évolution que nous sommes en train de donner à cette petite société aujourd'hui. Donc j'aurai l'occasion d'en reparler, j'en parlerai ce soir. Nous avons le projet, nous avons un plan et tout ça. Mais comme certains d'entre vous vont repartir, effectivement, c'était bien de vous le dire ce matin. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Aude. Je vous promets de travailler un peu sur les éléments de langage, comme disent les communicants, parce que pour l'instant, marcher sur l'économie française, j'ai un peu l'impression qu'on la piétine, alors ça m'ennuie. Vous l'avez rappelé, il y a 12 des 100 plus grands centres de recherche au monde qui sont en France. Et puisqu'on est invité à Lille, on va éviter de vous boursoufler avec le CNRS ou l'École normale supérieure du quartier latin, mais on va vous montrer un institut qui est absolument fabuleux, qui avait déjà un siècle d'avance en 1890, et ça, c'est l'Institut Pasteur de Lille. C'est pour ça qu'on est très heureux d'être là aujourd'hui. Vous allez voir une petite vidéo qui dure, je crois, 4 minutes, qui n'est pas en rapport direct avec le forum en apparence, sauf qu'en réalité, quand vous allez voir les messages qui sont projetés, c'est exactement le même ADN que le forum Osons la France.